Bonjour les amis, bonjour, c'est Denis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la reprise de la maquette après mon opération qui s'est très bien passée. Donc j'ai encore allé enlever des broches le 21 octobre, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui nous allons travailler un petit peu sur le Maya. J'ai beaucoup travaillé en fait hors caméra, donc j'ai fait donc toutes les pièces en photo découpe. Donc j'ai même mis les canons en métal sur les tourelles principales. Donc vous voyez, ils sont même percés. Le niveau de détail est quand même assez impressionnant. Donc plus ou moins toutes les pièces sont faites. Il y a encore quelques pièces de rambarde, des escaliers, tout ça, mais ça je voulais les mettre au primaire avant de les assembler. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais les mettre en primaire. Donc je vais préparer tout ce qu'il faut et on se retrouve pour la mise au primaire. A tout de suite. Voilà les amis, donc me revoilà. Donc on va employer donc le primaire AK 3ème génération que j'ai dilué à 50-50 avec le thinner de la marque. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va d'abord commencer par la planche de photodécoupe. C'est parti. Je laisse un peu sécher et je refais le verso de la planche. Et je vais peut-être finir la mise au primaire du reste. Voilà les amis, donc toutes les pièces ont été passées au primaire. Tout s'est très bien passé. Donc j'ai même passé donc sur la coque. Hein. Donc un primaire qui laisse vraiment très bien passer les détails. Donc j'aime vraiment bien. Je me demande si à l'avenir je vais pas m'acheter le noir de ce primaire là pour avoir des meilleures ombres. Donc la suite ce sera peindre le pont en linoléum, donc toujours avec ma peinture Life Color. La UA 647, et une fois que le pont sera mis en linoléum,
ben à ce moment-là, je passerai sur toutes les pièces du cours Gray. Il n'a pas été fait dans ce port-là, mais c'est vraiment le gris qui se rapproche le plus. Donc je le ferai à cette teinte-là, donc c'est le UA644. Voilà. Là je vais attendre que ça sèche et ensuite je passerai une couche de linoleum deck à l'aéro. Et ensuite viendra la grosse session de masquage. À tout de suite. Les amis, donc je sais bien que je vous avais dit que qu'on ferait le linoleum deck ensemble, mais finalement je l'ai fait hors caméra, c'était quand même pas mal de travail. Et donc ensuite j'ai masqué toute la zone pour avant peindre le tout en court gris. Donc là maintenant c'est la prochaine étape, donc c'est de peindre toutes les pièces que j'ai en ma possession en court grès et ensuite faire des petites peintures au niveau des avions et au niveau des embarcations. Donc je vais préparer le tout et ensuite on va peindre ça. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis. Donc j'ai préparé ce qu'il me fallait. Donc il y a juste une chose que je n'ai pas préparée. C'est de poser le bateau sur un support. Je peux le peindre à l'aise. Donc j'ai plus ou moins mélangé à 50-50 avec le diluant. J'ai ajouté un peu de Flow Improver. J'ai pris une cuillère, j'ai testé le mélange. Donc ça a l'air d'aller. Voilà, donc on y va les amis. Avec des voiles très fins avec cette peinture.
peinture se passe vraiment très bien. Désolé pour les hors-cadres, les amis. Pour les pièces restantes, je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc j'ai terminé de mettre en peinture la coque plus les autres éléments et j'ai pris la peine de démasquer et donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfait, la teinte est vraiment superbe. Alors la peinture est vraiment hyper fine. Bon, il y a quelques petits soucis de bouchage d'aéro avec la Rive Color, mais c'est compensé par le résultat
la finesse de la peinture. Maintenant, moi ce que je ne conseille pas avec ces peintures, c'est de faire un camouflage. Un camouflage, ça j'en ferai. Un camouflage à bord lisse, ça va, mais maintenant un camouflage à bord flouté, là, j'ai pas trop confiance. Mais sinon, pour tout ce genre de travail-là, franchement, nickel. Bon, j'ai quelques petits soucis par-ci par-là au niveau. Ça a un peu dépassé, donc là, c'est pas grave, je reviendrai repiquer ça au pinceau, vu que la Excolor au pinceau, ça se passe vraiment super bien. Et donc, voilà. Donc, désolé, hein, à mon avis, ce navire-là, il n'y a pas énormément de vidéos. Donc, ici, ce sera la quatrième. Et il n'aura pas autant que les autres navires. Parce que je vous avouerai que sur ce navire-là, je m'éclate pas vraiment comme je pensais m'éclater. À cause de. Au niveau des instructions de la photo découpe, c'est vraiment très frustrant, parce qu'on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment une très bonne lecture au niveau des instructions. Et donc c'est un peu pour ça que je traîne un peu la patte, on va dire, sur ce modèle. Donc j'ai quand même hâte de le finir, mais je pense que ça va quand même faire un très beau navire, hein. J'arrive quand même à m'en sortir, mais je vous avouerai que je galère vraiment beaucoup sur cette maquette. Mais bon. On va s'en sortir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette quatrième vidéo. J'ai pas montré énormément de choses, mais bon, enfin voilà, comme ça vous voyez que ça avance sur cette maquette, quoi. Enfin voilà. Et écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère ne pas durer autant de temps pour faire la prochaine vidéo que celle-ci. Bon, c'était à cause malheureusement de mon hospitalisation, comme je l'avais dit précédemment. Voilà. Mais bon, maintenant ça se passe bien. Normalement, je devrais reprendre un rythme. Donc voilà. Voilà. Bah, écoutez, tchuss les amis, à très bientôt.